Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que là, on va pas parler d'hardware mais plutôt vidéo. Car il y a tout simplement Hardisk, il y a peu de temps, qui a lancé un défi à ses abonnés et je l'ai tout simplement relevé. Et puis, je vais tout simplement le laisser vous l'expliquer. L'idée, c'est que vous avez tous une caméra, quelle qu'elle soit, on s'en bat les couilles, et que sur cette caméra, très souvent, il y a un mode qui vous permet non pas d'afficher l'image que vous voyez là quand vous filmez, mais d'afficher ça. Et vous allez essayer de me faire des vidéos ou des photos, en tout cas des images, sans regarder l'image. L'idée, c'est que uniquement en vous fiant à ça, uniquement en vous fiant à vos connaissances du coup en photo et en cinéma, me faire des plans et d'essayer de faire les images les plus belles possibles sans regarder les images. Donc grossièrement, ça occasionne trois problèmes. Le cadrage, l'exposition ainsi que le focus. Alors pour le cadrage, en dehors de 2-3 plans que j'ai fait avec un 44 M4 de chez Helios, qui est une optique que je connais relativement bien et qui a un champ de vision entre guillemets relativement fermé, d'autant plus que je suis sur du micro 4 tiers, voilà, donc avec un Lumix G7 et un speed booster, bon le tout était monté donc sur un Zhiyun Crane, histoire de stabiliser mes plans. Mais voilà, en dehors de cet objectif là, j'ai tout fait avec un 10-20 de chez Sigma, donc qui est un grand angle, et à partir de là, j'avais entre guillemets peu de chance que cette chapelle ne soit pas dans le cadre. Donc dans cet exercice, si vous avez réellement pas envie de vous embêter, go sortir un grand angle ou un ultra grand angle. Ensuite, il y a l'exposition. Pour cela, je me suis pas réellement embêté, j'ai tout simplement utilisé le pose-mètre de l'appareil. Donc c'est le petit onglet qui se retrouve en l'occurrence à côté des ISO dans le menu des exifs du G7. C'est tout simple, si vous vous retrouvez en dessous du 0, vous êtes sous-exposé, si vous vous mettez au-dessus, vous serez surexposé. Après, bon, si vous êtes légèrement au-dessus, légèrement en dessous, vous serez globalement bon. Après, si vous allez dans les extrêmes, automatiquement, ça sera dégueulasse et inexploitable. Ensuite, il y a le dernier point, donc le focus. C'est simple, soit vous vous mettez en hyperfocal, vous fermez à fond, et dans ce cas-là, selon là où vous vous trouvez, il va vous falloir masse lumière ou alors augmenter vos ISO. Soit vous avez un réflexe, et dans ce cas-là, vous utilisez tout simplement la visée de votre boîtier. Vu que ça passe par des miroirs, ça passe pas par votre écran, donc c'est legit. Et ensuite, pour ceux qui ont des mirrorless et qui utilisent des optiques détachables, et sur toutes les optiques, il y a tout simplement sur la bague de mise au point une graduation qui vous indique à quelle distance le point de netteté est par rapport à votre capteur. Donc je vais prendre pour exemple le plan 4 où je filme tout simplement des feuilles qui sont accrochées à une branche. J'ai tout simplement placé mon boîtier, ou du moins en l'occurrence le capteur, à peu près 50 cm de ces feuilles, et j'ai placé donc ma bague de mise au point sur 50 cm. Et du coup automatiquement j'en avais au moins une qui était nette. Donc quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez des graduations sur la bague de mise au point et que vous connaissez votre distance entre votre boîtier et votre sujet, vous pouvez vous amuser à jouer avec votre profondeur de champ. Bref, j'espère que cette vidéo un petit peu inhabituelle vous aura plu. De toute façon, je pense un petit peu diversifier la chaîne avec une playlist aparté où je parlerai matos vidéo, où je ferai le con, où je m'entraînerai au stabilisateur, puis plein d'autres choses. Voilà. Puis sur ce, je vous dis tout simplement bonne soirée, bonne fête de Noël parce qu'on est en fin d'année. Puis tout simplement à bientôt.